Salut, c'est Biloulette. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous à cette première de The Show. C'est avec un grand plaisir, dirais-je, que nous vous accueillons ce soir et j'espère que vous allez y passer une soirée inoubliable. Donc voici maintenant le sommaire de votre émission. Donc dans un premier temps, on va déjà commencer par recevoir notre invité. Ensuite, vous aurez donc une interview de ce même invité. À suivre ça, vous aurez la chronique d'Elarcis. Ensuite, l'interview à nouveau de l'invité, hein, qui se passera donc en deux temps, vous l'aurez compris. Ensuite, vous aurez la chronique qui s'appelle « Des pixels et du fun », qui est une chronique qui va être animée en doublon par Atomium et Mister Derive. Ensuite, nous aurons un question-réponse avec notre invité. Donc le but, c'est qu'il réponde que par oui et par non, qu'il ne développe pas ses réponses. Donc ça devrait être assez drôle, vu les questions. Et ensuite, nous aurons les 10 minutes Minecraft, qui va être une chronique animée par Wolfegon. Et bien sûr, donc pour nous tenir compagnie ce soir, un personnage, dirais-je, haut en couleur, hein, on peut dire ça, je pense. J'ai le plaisir d'accueillir avec vous Bob Lennon. Est-ce que ça va s'ouvrir? Il y a le décompte. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Salut public. Et j'ai pas été compressé par cette machine infernale. Formidable. Ouais, tu as bien failli. J'ai failli, j'ai vu avec le lac, j'ai failli. Je fais le petit salut au public, je passe devant et ils sont sages ce soir. Ils sont surprenamment sages, ils sont absolument formidables. Il y en a un qui s'excite, deux, trois, bon ça va. Bon, c'est on va sauter aussi si vous voulez. Bonsoir public. Et on n'a plus qu'à s'installer pour la suite de cette magnifique émission, allons-y. Allez, on s'assoit. Alors bon bah écoute, moi ce que je te propose c'est que je vais faire une petite présentation quand même parce que bon, je ne sais pas s'il y a une seule personne dans le monde, n'est-ce pas, qui ne te connaît pas, mais à tout hasard, je tiens à te présenter. Bon, donc Bob Lennon, on va dire un des personnages incontournables de Minecraft, hein, partenaire de The Fantasio 974, plus connu sous le nom de Fanta. Et donc vous avez à votre actif des centaines de vidéos, on peut dire maintenant des millions de vues. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour compléter un petit peu ta présentation? T'es sûr qu'on a des centaines de vidéos et des millions de vues? Oui, tu as plus de 100 vidéos, ça c'est sûr. Oh putain, c'est grave, incroyable. Et plus de oui, moi oui, je suis sûr. Même on a fêté vos combien, 5 millions de vues la dernière fois, combien? Je ne sais pas, c'était les 100 000 abonnés. Donc les millions de vues, je ne sais pas combien on en est, mais en tout cas c'est absolument formidable. Ouais, c'est grâce à vous et au public formidable qui est là ce soir, et à toi aussi, hein, qui m'évite dans cette émission absolument exceptionnelle. Si le public pouvait applaudir Biloulette, ce serait formidable. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, c'est ça qui est. Ah non, ils donnent des coups devant eux. Donnez des coups devant eux, donnez des coups devant vous, à vide. Ce sera, voilà. On comprendra ça comme de l'applaudissement, voilà. Ma foi, c'est très beau. Exactement. Vos applaudissements sont absolument magnifiques. Ouais. Alors. C'est touchant. Donc, que dirais-tu de commencer l'interview? Oui, je t'en prie. Ah, la mienne. Mais la tienne, oui. Ah oui, c'est vrai. Tu veux m'interviewer? Non, bien sûr, aucun souci. Hein, écoute, hein, à part les mensurations, je vois pas ce qui pourrait m'intéresser. Non, je déconne. Le gars qui commence l'émission comme ça, bam, allez, martini sur la table, on n'en parle plus. Alors, on va démarrer un petit peu ton interview. Donc, d'après ce que je sais, mes sources, mais j'espère ne pas me tromper, n'est-ce pas? Tu as aujourd'hui 24 ans. Oui, c'est tout à fait exact. Et tu te décris comme un geek. À quel âge es-tu devenu geek? Ah, c'est une bonne question. Oui, j'ai effectivement 24 ans. Déjà, je commence par ça. Hein, on va confirmer ça public, sinon ça va pas aller. C'est ça, il a bien 24 ans. Je suis un geek, c'est exact. Pour être plus exact, je suis même, je dirais, un no-life. C'est un type spécifique de geek, hein, c'est une spécialisation de geek. Et je suis ça, je vais dire, facilement depuis 7 ans. Ah oui, donc c'est venu effectivement... Environ, et parce qu'à 7 ans, je me souviens très clairement que toute la culture musicale et ou cinématographique et ou, à part bien sûr les évidents, hein, les trucs comme Star Wars, la science-fiction, tout ça, faut pas déconner, mais cinématographique, c'est-à-dire le 7e art, la peinture, les autres arts, machin, tout ne m'intéressait pas, le sport surtout, ça m'intéressait vraiment pas, à part les jeux vidéo et tout ce qui s'y rapportait, tout ce qui se rapportait à la culture geek, hein, les jeux vidéo, les films de jeux vidéo, les jeux vidéo, et tout ce qui a un rapport, le reste pour moi n'avait entre aucun et absolument aucun intérêt. Donc je dirais, et c'était déterminé à 7 ans, je me disais déjà ça. Ça a pas beaucoup changé dès lors. Hein. C'est vrai que tout le reste dans le monde, bien sûr, j'ai même mûri un petit peu. Tout le reste dans le monde n'est pas si inintéressant que ça. C'est formidable. Il y a des tas de gens qui trouvent leur passion partout. Mais moi, la mienne, je sais pas. C'est la technologie. Voilà. Ok. C'est lancé.
Et est-ce que tu aurais pu te décrire quand tu étais enfant ou jeune comme un Kevin? Non, T'as jamais justement, été un non. Kevin? Non, non, j'ai. Ah, attends, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai jamais été un Kevin? Non. Non, tout simplement parce que je suis trop. Enfin, j'ai pas envie de dire je suis trop vieux, mais à 24 ans, quand j'étais jeune, quand j'avais déjà 12, 14 ans, l'âge où il était nécessaire, enfin, où on pouvait être un Kevin, Internet n'était pas encore assez répandu, ma connexion n'était pas suffisamment bonne. Bref, je ne pouvais pas être un Kevin aussi destructeur que je Ah suis aujourd'hui. oui, C'est pour d'accord. ça. Donc, j'en aurais peut-être fait un très beau Kevin, j'aurais peut-être fait un Kevin absolument formidable, mais le fait est que à 12 ans, au lieu de faire mon Kevin sur World of Warcraft et de flouder les gens en mage, je jouais à des jeux solo sur ma PS PlayStation 1 à la maison. Ce qui Ouais. fait que je n'ai pas pu être un Kevin, malheureusement. Alors justement, à la maison, ça me permet de rebondir. Comment tu décrirais ta famille pendant que tu étais enfant? Quel type de famille t'avais? Est-ce que tu avais une famille plutôt cool qui te laissait faire ce que tu voulais? Est-ce que Alors, c'était plutôt... cool, uni et formidable. Tout simplement, je suis en très bonne relation avec tous les membres de ma famille, même si aujourd'hui, malheureusement, mes parents sont divorcés. Cela dit, à l'époque, j'aimais beaucoup mon père, j'aimais énormément ma mère, mon frère, mon grand-grand-frère et ma grande sœur, qui ont respectivement 6 ans et 3 ans de plus que moi. Mon grand frère, parce que je jouais aux jeux vidéo avec lui, il me faisait découvrir des références absolument hors du commun et incroyables. Ma grande sœur, parce qu'elle s'occupait beaucoup de moi, elle jouait avec moi et on a découvert les plus beaux RPG de ma vie dessus aussi. Enfin, je veux dire, bref, une famille qui est absolument formidable et j'ai très bien grandi. Tu disais il y a une minute que ton frère jouait avec toi et je voulais savoir justement comment le jeu était arrivé dans ta vie au tout début, le premier jeu, comment c'est arrivé, est-ce que tu te rappelles? Ça me fait même marrer que tu dises ça, parce que cet après-midi, j'ai fini de mixer une vidéo FAQ que je vais bientôt sortir, dans laquelle je réponds à cette question, mais c'est pas grave, hein, je peux le sortir en exclusivité, je suis fou! Je le fais, voilà, comme ça c'est gratuit. Le pauvre Fanta, je suis en train d'envoyer mon travail qui va uploader aux chiottes, mais c'est pas grave, hein, je le referai. Toujours est-il que. Ma première pensée, on a tous eu une première pensée quand on était petit. On se regarde, on essaie de fouiller le plus loin possible dans sa mémoire, et on a tous une première pensée, dans son berceau, dans son landau, ou un truc qui remonte vraiment, vraiment, vraiment à loin, qu'on savait même pas l'âge qu'on avait à l'époque. Tout le monde a ce genre de mémoire. Moi, je me souviens très clairement, encore une fois, quand j'avais 10 ans et des brouettes, j'ai essayé de fouiller un peu, de creuser, hein, comme un fumier. Et ma première mémoire, c'est moi en train de jouer aux Lemmings avec mon père. Donc c'est D'accord. sur l'Amiga. Donc voilà, c'est ma T'avais première quel âge? mémoire était moi avec une souris. J'avais 2 ans, je pense. 2 ans. J'avais 2 ans parce que c'était en 89. C'était en 89, mon père m'a confirmé ça. Et effectivement, j'avais 2 ans et il voulait me faire découvrir les Lemmings parce qu'il trouvait ça fun, parce qu'il voulait jouer avec son fils, un peu de fa quality family time tout simplement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, moi, en termes de développement. Hein. J'ai envie de dire, les Lemmings ou les Teletubbies, pour moi, le choix est fait, hein, faut pas déconner. Non, mais sérieusement, en plus, voilà, c'est pour Ouais, ça. Ça développe la ouais. logique. En plus, l'avantage, c'est que ça me permettait déjà d'avoir une bonne relation clavier-souris, avant Bien même que sûr, les bien sûr. PC deviennent quelque chose de vraiment commun. Hein. Il faut savoir Ouais. qu'à l'époque de nos parents, les PC, c'est les ténèbres. Il y en avait peut-être 10 ou 7, mais je veux dire, tu pouvais très bien aller jusqu'au bac et avoir un super boulot de psychopathe sans jamais en voir un seul de ta vie. Donc c'est pour ça. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Moi j'ai fait la même avec ma fille. Elle a été sur le PC à 2 ans et j'étais ahuri de voir à quelle vitesse, en une demi-heure, la gamine elle avait compris comment fonctionnait la souris, quoi. Bien sûr, mais bien sûr, Et évidemment. j'étais halluciné, quoi. Je me suis dit, mais c'est Mais moi, je incroyable me, la et vitesse moi, à ce laquelle qui, ils vont. ce que, dont je me suis rendu compte, c'est que lorsque je suis arrivé en sixième, où on était la première année où les classes de technologie, ils appelaient ça à l'époque, c'était la techno, et ben, c'était les premières années où les écoles publiques avaient des PC donc de disponibles pour les élèves, hein, avec des Windows 95 bien moisis dessus, avec des restrictions très très fortes, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Enfin, ils avaient peur qu'on fasse planter tous les PC en faisant de la merde, et ils avaient raison. On avait presque découvert avec mes potes de l'époque en sixième que à 11 ans on en savait presque autant que le prof en question sur le PC. Et encore c'est Ouais. parce que le Bien prof il sûr. avait lu une notice, hein, et Bien 2 mois sûr. plus tard on l'avait bouffé le type, hein, il était Ouais, aux ça ténèbres, m'étonne hein, faut pas. pas déconner. Non mais Ça je veux dire m'étonne voilà pas. quoi. En plus le gars il avait déjà 60 balais, on l'envoyait dans les ténèbres. Enfin voilà, c'est bon. Et toi qui parlais là de tes rêves d'enfant, enfin de tes souvenirs d'enfant, enfant, tu souhaitais devenir quoi ou qui? C'était quoi ton
ton plus grand Alors, rêve? bien sûr, j'ai fait les classiques, cow-boy, astronaute, acteur porno, enfin... Boum! Et boum! Est-ce que tu l'as vu, celle-là, Bilou? Allez! Et un coup critique, hein! Applaudissez, public, si jamais vous avez apprécié, faites nom de la tête si vous pensez que c'était de mauvais goût. Tu vois, que la Biloulette, je l'ai mise dans les cordes. Allez! Comme ça, au moins, ça s'est dit. Ah, ils aiment, ils applaudissent, ah, ils applaudissent le mouvement, j'aime beaucoup, merci beaucoup public. Je vois-t-il que... Ah, elle l'a pas vu venir celui-là, boum, coup critique, allez, mange ta soupe. Oh, allez mamie, avale ta soupe, c'était gratuit, tu l'as pas vu venir celui-là. Toujours ah non mais c'est excellent, continue. Toujours, il balance des roses, non mais arrêtez, oh, c'est la folie. Non, non, stop les lançages. Toujours est-il que donc je disais... je n'en avais absolument aucune idée. Mon père et ma mère voulaient, par tradition familiale, que je devienne banquier. Non, mais c'est très con. Et par voie d'extension, j'ai commencé donc à diriger mes études vers de la comptabilité. Et puis j'ai fait un DUT GEA, hein, 2 ans de comptabilité en bac plus 2, qui se sont très très bien passés. J'ai fini avec d'excellentes notes et un très très bon diplôme. Cela dit, il ne m'a jamais servi. Excuse-moi de te couper, mais du coup, ça veut dire que ce diplôme, je crois que tu as fait DRH aussi, compta DRH, c'est ça? Oui, oui, j'ai fait ça, j'ai fait DRH aussi. Donc, c'était pas ton choix, en fait. Enfin, c'était plutôt... RH. C'était pas mon choix, mais si. C'est-à-dire que je n'en veux surtout pas à mes parents pour avoir suggéré cette ligne de conduite, parce que pour moi aussi, ça paraissait logique. J'étais fort en maths, j'aimais beaucoup les chiffres, je n'aimais pas les mathématiques, comment dire, abstraites. Mm-hmm. Donc, j'étais pas fait pour être scientifique, vu que ça m'aurait très vite énervé. J'étais fait pour les mathématiques concrètes, donc forcément. On m'a dit bah fais des chiffres, fais de la compta, c'est bien, ça a l'air de marcher, machin, ça et tout. J'ai dit oui, pourquoi pas. Après j'avais 16 ans, et après par contre quand je commençais à en avoir 19-20, je me disais ah ouais finalement c'est pas mal ces études sup, je me fais pas trop chier dedans, je m'en sors, enfin voilà quoi, j'ai suivi le petit train de chemin tout seul, mais jamais, au grand jamais, je me serais imaginé évoluer sur YouTube, comédien, humoriste, appelez-moi comme vous voulez, ça n'a pas de nom, ou animateur pour enfants, hein, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes Dorothée. Gosses, hein, ça y est, c'est dit. Voilà, c'est Dorothée, je vais t'appeler Dorothée ou Chantal Goya. Ah oui, appelle-moi Chantal. Chantal. Oh mon Dieu. Et donc tu n'as jamais pratiqué. Oui, tu m'étonnes. Tu n'as jamais pratiqué du coup en tant que comptable ou banquier ou. Non, si, pendant mes mois de stage, bien évidemment, parce qu'on a des stages obligatoires, mais non. Et je me suis beaucoup amusé pendant ces stages. Pour moi, chaque travail que j'ai fait était un bon travail. Je m'étais bien. Enfin, je m'étais pas fait chier, quoi. C'était bien. Je m'en suis pas plaint, mais sincèrement, moi en tout cas, depuis quelques mois là que je fais des vidéos avec Fanta et qu'on s'éclate. Moi, c'est ma friandise, hein, tous les soirs. Hein. Je les fais, ces vidéos. Hein. Ouais, et puis, même les soirs où je suis complètement pas déprimé, mais où j'ai pas le goût, pas envie, machin, je parle 5 minutes avec Fanta. Et de toute façon, il est tellement miséreux, Fanta, je suis obligé de rigoler. Du coup, ça me met de bonne humeur et on en fait des bonnes. Je le mets à sac, Fanta, je le mets à sac. Mais laisse mon chouchou, ne sois pas méchant avec mon chouchou. On ne touche pas au chouchou. On ne touche pas au chouchou de Bilou. Miséricorde. Donc, du coup, à quel âge t'es parti de chez tes parents? Oh. Alors, attends. 18 ans, bac, 19, 20, je devais avoir 20 ans et des brouettes, comme j'ai grandi très près de Valence, une ville dans le sud de la France. Ouais, je connais bien. Hein. Voilà, je dis pour les gens, et que l'IUT, l'Institut Universitaire Technologique, ou tertiaire, je crois, je sais plus, était à Valence, je suis resté encore dans la maison familiale pendant 2 ans. D'accord, et là, tu as pris ton premier appart, c'était quoi, une coloc avec des potes? Ah non, c'était directement un premier appart à Grenoble avec ma petite amie de l'époque, hein, Kelly, ouais. Qui l'est toujours, hein, c'est absolument formidable, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ah, c'est ta femme aujourd'hui? Ah oui, okay. Complètement, oui, c'est bon. Alors, j'ai pas de papier, j'ai rien pour le prouver, j'ai pas de pack, j'ai pas de... On s'en fout. Ça, mais par conviction personnelle, on s'en fout. Voilà, bah, c'est clair. Déjà dit. Et personnellement, quand je regarde notre couple, je nous vois beaucoup plus stables que des gens qui se connaissent depuis 1 an et qui en sont mariés depuis 2. Et qui finalement ne sont ensemble que depuis 3 et qui finalement ne sont pas si stables que ça. Donc ouais, j'ai envie de dire que moi ça marche.
Ça marche comme je veux chez moi, est-ce que ça marche comme vous voulez chez vous? C'est tout ce que j'ai. Ok. Bien. Bon, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la première chronique et puis nous, Bob, on reprendra à ce moment-là ton interview après la chronique. Donc, écoutez, maintenant, je vais vous présenter donc Elarcis pour la chronique d'Elarcis. Donc, vous êtes un certain nombre à connaître Elarcis. Je vais de ce pas aller le chercher, n'est-ce pas? Formidable. À l'ascenseur. En plus, Lars, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ça lui apprendra, à se rendre à cette émission. C'est vrai. Le voilà. Regardez, nous avons le décompte. Le décompte. Exactement. Et voilà, le voilà. Bonsoir. Salut, Larsis. Tu vas bien? Hello. Ça va bien. Et vous? Eh ben, écoute, super. Donc, on t'accompagne, Bob. Tu peux venir avec nous. On va aller se placer sur les petits pupitres. Bonsoir, Bob. C'est formidable. Bonsoir, Lars. Je vois et j'entends que le public applaudit à tour pour l'arrivée de Lars sur ce magnifique plateau. Voilà, oui, je vois. J'aime quand il se réactive. C'est juste formidable. C'est gentil, merci. À toi, Elarcis. Donc, bienvenue dans le quart d'heure moins bête, donc le quart d'heure où je vais donc vous parler du sujet du jour. Alors, je précise avant de commencer que ce dont je vais parler, c'est facilement trouvable sur Internet. Hein. C'est pas du top secret que la saison 51X, vous pouvez le trouver vous-même. C'est juste afin de vous introduire, de vous présenter un petit peu le sujet, de vous donner un petit peu de curiosité. Donc, c'est une sorte de d'amuse-bouche, voilà, c'est parfait. C'est pendant la préparation de mon épisode, donc je cherchais mon sujet, j'étais un petit peu tourné en rond dans ma salle là, en me disant de quoi je pourrais bien parler, et puis je me suis dit, ce qu'on est en train de faire là, une émission de Minecraft, est-ce qu'il y a eu des précédents? Comment ça s'appelle? Est-ce que des gens y ont déjà pensé? Donc j'ai cherché un petit peu sur la machine à recherche de Google, et donc je suis tombé sur un sujet que je connaissais un petit peu depuis un certain temps, et je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est celui des Machinima. Est-ce que tu connais les Machinima, Bob? Bien sûr, évidemment. Bien. Que je connais les Machinima. Donc en fait, Machinima, la définition en dur pour les verbeux, c'est production audiovisuelle utilisant un moteur 3D en temps réel. Autrement dit, dans 95% des cas, des jeux vidéo comme source d'image. Alors je dis 95% des cas parce qu'en fait, il existe encore deux principaux types de Machinima. Alors les Machinima donc utilisent des images d'un jeu vidéo, comme ici, et celles donc qui utilisent un moteur 3D spécifiquement conçu pour ça. C'est-à-dire, en fait, ça date de l'époque des très vieux jeux que Bob a probablement connu. Donc, Bob, je pense que tu as connu donc cette époque où, alors que les jeux sortaient, il y avait déjà à cette époque des joyeux pirates et des joyeux crackers qui s'évertuaient donc à fournir des cracks à la communauté de joueurs. Et donc, les cracks s'accompagnaient la plupart du temps d'une modification de l'intro du jeu. Donc, c'était un petit peu la marque fabrique oui, de crackers. Oui, j'avais ça sur tous mes jeux d'Amiga à l'époque. Tous, à l'époque, je savais même pas ce que c'était le piratage. Ça existait même pas. Enfin, si, ça existait, mais on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. Et tous les jeux d'Amiga, j'avais près de, je crois, il y avait près de 2800 disquettes. Tout avait vie illimitée on-off, avec un petit truc en bitmap dès le début et une petite musique sympathique. Donc le fait est que, au fur et à mesure que les ordinateurs se perfectionnaient, attention fusion masse critique, les intros donc des cracks étaient de plus en plus mieux conçus. Et en fait, le problème, c'est comme ils ne pouvaient pas fournir des vidéos trop lourdes pour des intros trop awesome, ils les faisaient calculer en temps réel par l'ordinateur. Donc comme le contenu du jeu. Donc c'est de là que sont nés en fait ce qu'on appelle donc les démos, qui sont des cinématiques, des courts-métrages générés en temps réel par l'ordinateur. Donc ça existe encore, il y a des concours de nos jours, donc c'est un type de machinima, mais je ne vais pas trop en parler ce soir parce que c'est pas vraiment le sujet. Alors voilà, oui, donc moi je n'ai malheureusement pas eu la chance de connaître ça, puisque non seulement je suis né en 92, ce qui fait que je suis arrivé au milieu de la fête, et surtout je n'ai pas eu la chance de Bob d'avoir une famille très orientée sur les jeux vidéo, ce qui fait que la seule intro modifiée dont je me souviens, c'est celle de SimCity 2000, où le titre c'était Cracked by Crackers, Play for Fun. Donc t'es né l'année où il y avait Street Fighter 2, alors peu importe, c'était une année en or, c'est tout. Voilà, c'est ça, j'ai de la chance. C'est la gloire, voilà. Voilà. Donc, je disais que ce soir, nous allons donc plutôt parler des productions réalisées avec des jeux vidéo, puisqu'au final, c'est ce qu'on fait. Donc, en fait, cette branche donc est apparue dans les années 90, donc bien après les démos, qui est donc est-elle dans les années 80, fin des années 80, donc avec des jeux du genre de Stunt Island. Est-ce que tu connais Stunt Island? Évidemment que je connais Stunt Island. Pourrais-tu nous le présenter? Stunt Island, est-ce que c'était le jeu de voiture tu voyais des dégâts en temps réel? En fait, Stunt Island, c'était une sorte de mélange de simulateur de vol
et une sorte de Garry's Mod précoce. En fait, donc les joueurs donc avaient une zone dans laquelle ils pouvaient donc mettre des bâtiments, des props, etc. Et où ils pouvaient donc réaliser des cascades avec donc tout un panel de véhicules et exporter donc leurs figures. Je vois de quoi tu parles. Non, effectivement, j'ai connu le jeu, mais je ne l'ai pas possédé. Et je parlais de Stunt Car sur Amiga. Donc je me suis trompé. Voilà. C'est moi, c'était une erreur. Mais stunt en fait. C'était Stunt. Voilà, c'est roule. Ça. Oui, c'est la même chose. De toute façon, oh là là. C'est des jeux vidéo, c'est la même chose. Oui, non, c'est pas... non ça, mais là, c'est de l'avion. Là, c'est pour ça. Ah, les sacs. Vas-y, roule. Donc voilà. Donc les joueurs pouvaient exporter leurs figures. Donc c'était avec des jeux du genre que les premières. Première Machinima était née, mais très vite, c'est un tout autre genre d'activité qui a régné en maître sur le monde des Machinima, et certains le connaissent très bien parce que c'est encore beaucoup fait aujourd'hui, c'est les speedruns. Donc, ça c'est formidable, ça, les speedruns, moi j'adore ça, mais je vais. C'est ça. C'est quoi les speedruns? Pour ceux qui ne connaissent pas, justement. Donc les speedruns, enfin, tu présentes ou je le présente, Bob? Donc justement, c'est ta chronique, vas-y. Voilà. Donc les speedruns, en fait, ce sont des joueurs qui se filment en train de terminer un niveau de jeu, donc le plus vite possible. Alors, ça peut être en jouant à la loyale ou en exploitant les bugs du jeu. Donc le plus souvent, donc c'était sur des FPS comme Doom ou du genre, donc après, à exploiter, donc pour pratiquement tous les jeux qui avaient des niveaux prévisibles, il y avait des speedruns, donc c'est un domaine assez répandu, c'est aujourd'hui très répandu, d'ailleurs je recommande l'émission 80 miles à l'heure, donc sinon il nous regarde peut-être pas, donc il présente des speedruns sur les jeux récents, c'est très intéressant. J'ai même envie de d'ajouter une petite précision, c'est que 88 miles à l'heure, présenté par Real Myop, hein, et Cœur de Vandal, si je me souviens bien, présente des Tool Assisted Speedrun. Alors pour l'information de Bidoulette, un speedrun c'est la capacité que tu as à finir le jeu le plus rapidement. Par exemple, si je suis champion du monde à la manette de Mario, je finis Mario en 3 minutes 30. Ah oui, tout le jeu, Mario comme ça. Non, c'est comme ça. C'est possible ça, 3 minutes 30 tout le jeu? Je crois que c'est 9 minutes ou 10 minutes pour Mario. Le premier Mario. Bon, mon Dieu. Voilà. Mon Dieu. Il utilise des warp zones, c'est-à-dire il utilise les trucs qui te permettent d'aller à d'autres mondes plus rapidement. Ouais. Mais des trucs Lego, c'est-à-dire il l'utilise vraiment parce qu'il utilise la manette, il y va à la main. Tu vois, il fait ça humainement. Avec des réflexes humains. Il fait juste ça de la manière parfaite. Ensuite, par contre, ce qui est présenté par Real Myop et Cœur de Vanga, ce sont des Tools Assisted Speedrun. C'est-à-dire, ce sont des speedruns assistés par outils. C'est-à-dire qu'ils utilisent des tas d'outils informatiques, comme l'arrêt du temps, les sauvegardes rapides, le découpage, le montage, le machin, et tout, pour finir, mathématiquement parlant, le jeu le plus vite possible. C'est-à-dire que là, quand tu regardes une vidéo de Tools Assisted Speedrun, tu vois quelque chose qui est absolument surhumain. C'est-à-dire, tu vois un mec qui utilise des choses qu'un être humain ne pourrait pas faire à la manette. Parce que, tu sais, c'est un truc qu'il faudrait avoir des réflexes au pixel. Ben, oui. Tu sais, il faudrait pouvoir appuyer sur gauche et droite en même temps. Enfin, des trucs de psychopathe que eux, ils peuvent faire grâce aux outils, grâce au ralentissement du temps et grâce au contrôle, mais qu'un être humain ne pourrait pas faire. Donc, il faut bien tenir ça en compte. C'est aussi une forme d'art, parce qu'un Tools Assisted Speedrun, ça prend généralement un an à faire, environ. Mais par exemple, là, je te vois, un mec à la manette, le champion du monde à Mario à la manette, il finit le jeu en 9 minutes 30. Un Tool Assisted Speedrun va finir le jeu en 2 minutes 50. Waouh! Parce que, humainement parlant, enfin, il est plus humain, tu vois, il est bionique le type, c'est juste le truc de fou. Je me rappelle la vidéo la plus impressionnante que j'avais vue, c'était sur un speedrun de Portal, où franchement, c'était réellement inhumain. C'est le gars qui arrivait à cliquer dans l'angle du mur, créer un bug, ce qu'il faisait passer en dehors de la map, il marchait, il faisait son portail à l'autre bout de la map, c'est bon, il avait fini le niveau en 30 secondes. Et quand même, pour ceux qui connaissent pas éventuellement trop le jeu ou autre, pour bien voir la différence entre un speedrun et un Tool Assisted Speedrun, par exemple pour Bilbiette, ce serait sur Super Mario 64, où un speedrun fait par un joueur va prendre environ une heure. C'est-à-dire en une heure, il va récupérer toutes les étoiles nécessaires à la fin du jeu et il va le faire, mais avec une vitesse et une dextérité parfaite. C'est-à-dire quand tu regardes le jeu, tu dis comment on peut faire mieux? C'est pas possible. Le mec, il a joué parfait depuis le début jusqu'à la fin. Et quand tu regardes le Tool Assisted Speedrun, le jeu est fini en 3 minutes. Parce que dès le début, le gars a découvert un bug qu'il n'est physiquement et humainement pas possible de réaliser. Mais quand t'es un robot, tu peux. Et tu c'est complètement craqué, c'est complètement la vulnérabilité la plus totale. Et c'est vrai que c'est assez marrant pour nous, gamers, de voir les jeux sur lesquels on a gâché notre enfant se faire défoncer comme ça. Moi, personnellement, j'adore. C'est donc il y a 15 ans, donc un mois après, en octobre 96, sorti un court-métrage, donc qui n'a pas vraiment eu un super succès, mais qui a quand même marqué l'histoire, puisque c'était le journal d'un campeur, Diary of a Camper, qui était tourné sur Quake, donc c'était un replay de match, qui était tourné par un petit groupe de gamers,
Et en fait, ça racontait l'histoire de joueurs d'une équipe qui devait sécuriser une zone et qui rencontrait la résistance d'un campeur qui vivait là. Bon, le film n'avait pas rencontré un vif succès puisque le scénario était quasiment inexistant. Mais en fait, on avait noté qu'il y avait un travail de montage, il y avait un travail sur la caméra. Et en fait, il y avait vraiment une mise en scène et un travail derrière, quoi. Donc c'était pas seulement un replay de match vu en première personne, etc. Donc c'était le premier film à vraiment avoir eu un petit succès avec ça. Et donc plein de films sont sortis dans son sillage, donc tournés sur Quake. Donc c'était les fameux Quake Movie. Donc je vais passer un petit peu sur les innovations qui ont été apportées chez chacun. On n'a peut-être pas de temps parce que déjà ça fait un bon bout de temps qu'on y est. Et donc on va juste zapper en 2000. Donc en 2000, où Hugh Hancock, donc qui est étudiant à l'université d'Édimbourg, donc c'est pas de la gnognotte, il fonde le site machinima.com. Vous connaissez le groupe Machinima. Oui. On connaît le groupe Machinima.com, qui est quelque chose de très 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 gros sur Internet, hein, qui bosse principalement avec les plus grands tels que YouTube, pas Bing TV, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a un autre comme ça. Bref, même avec Dailymotion. Enfin bref, Machinima qui regroupe donc tous les YouTubeurs qui tentent de gagner leur pitance grâce à des vidéos Internet en utilisant et en achetant les droits de diffuser ces vidéos avec de la publicité. Faisant vivre ainsi les gens et leurs passions. Voilà, d'ailleurs, Narcisse, excuse-moi de te couper, avant que tu passes sur autre chose, j'ai une question qui vient en direct du chan de Biloulette, n'est-ce pas ? Oui. Pour savoir le mien, hein, parce que je suis Biloulette. Pose ta question. Une question qui vient de Sora. Et Narcisse fera-t-il un speedrun ? Non, tout simplement. Ah puisque... Non, c'est mort, il faudrait du skill. Le seul truc qu'il pourrait tenter, ce serait le tool assisted speedrun, et encore, je suis pas sûr, tellement. Je suis aussi compétent en vitesse de jeu qu'une huître anémique. Limite, je ne irait plus que moi. Non, c'est jouable, les speedruns. Si tu veux, Narcisse, je te prends au mot. On se mettra sur, je sais pas, Justin TV, une connerie comme ça. Et en live, on finira, je sais pas, peut-être Super Mario World ou une connerie. On tentera de le faire le plus vite possible. Ce sera très con, mais voilà, on pourra tenter ça. Oh le goût. Voilà, donc Sora, voilà la réponse à ta question. Il va y avoir une aide de la part de Bob. Je vais souffrir. Exactement, et d'ailleurs, j'ai même envie d'ajouter Sora, Donald, Dingo. Voilà, c'est une référence pour ceux qui ont fait le jeu, c'est pas grave, c'est juste qu'on l'entend au moins 10 000 fois dans le jeu. Mais vas-y, continue ta rubrique, Ella. Voilà, donc Machinima, donc pour ceux qui connaissent pas, donc qui est le collectif qui rassemble donc les producteurs de Machinima. Donc en général, quand il y a le logo Machinima sur une Machinima, c'est que c'est quand même un truc de qualité, c'est que c'est pas le truc tourné vraiment à l'arrache en 5 minutes. À savoir que maintenant, là où on en est, on a suffisamment cadré le concept de la Machinima, ses origines, son histoire un petit peu. Bon, je vais pas résumer ce qui s'est passé depuis 10 ans, puisque bon, on est... Voilà. Je vais juste donc vous présenter quelques jeux innovants, ou pas, qui ont été célèbres donc pour avoir hébergé des Machinima, des jeux ou des genres de jeux. Donc je suis sûr que vous pouvez en citer quelques-uns comme ça. Ah oui, chouette, un quiz. Allez, je vous en prie, proposer quelque chose. Tu avais déjà dit Quake, hein, il a déjà été énoncé. Ouais. Les Sims, bien joué Biloulet, donc bon. Bob Lennon, je pense que tu es un grand fan des Sims. Oui, entre autres déjà pour sa capacité de création et de construction, qui pour moi est précurseur, qui est antécédente à Minecraft. Boum. Qui précure ce Minecraft, c'est genre, on a qu'à inventer des mots. Qui précure ce Minecraft, tout simplement. Et j'ai même envie d'ajouter derrière World of Warcraft, qui fait d'excellents Machinima et qui en a sorti beaucoup. Exactement. Voilà. Et moi, il y en a un aussi. C'est oui. Minecraft. Bien. Je suis trop fort. Alors, vous avez vu, je suis trop fort. Alors, je précise pour la petite note utile qu'on a fait une répétition, donc elle les connaît tous par cœur. Oh, c'est petit. Ce dressage public, c'est juste absolument incroyable. Bon, alors là, on m'a tendu une corde. Ça va très mal se passer. Non, mais c'est dingue. Tu oses me vendre en direct. Je vais me cacher derrière les studios. Bon, on a fait une pauvre répétition, mais t'es méchant parce que j'avais cité quand même les Sims. Mais t'avais cité les Sims. Les Sims, Battlefield, et c'est à la fin Minecraft, où tu m'as dit il y a Minecraft. Oui, bon. Minecraft elle l'avait pas tout de suite vu, mais bon, c'est vendu. C'est parce qu'elle n'y avait pas pensé, mais c'était évident qu'elle le savait. Donc. Donc je disais, bah Minecraft, comme dit Bob, l'aspect créatif à l'infini, on peut poser les blocs, on peut faire les décors qu'on veut, on peut être autant d'acteurs qu'on veut, avec le skin qu'on veut, on peut faire des folies, il y a des modes qui permettent de faire des trucs super sympas, donc c'est vrai que Minecraft, c'est pour les Machinima, c'est une perle. C'est rêvé, c'est vrai que c'est rêvé.
Allez, un autre. Non, je suis certain que Bob le connaît. C'est un FPS qui est super Halo 3 connu. Oui, Halo 3. Alors, en général, tous les FPS, Deathmatch, etc. En fait, pratiquement tous les jeux y ont eu droit. Mais Unreal Oui, aussi. C'est un FPS qui est pas vraiment un FPS, mais qui est super connu quand même. Battlefield. Non, ça, non, c'est, non, ça c'est un FPS. C'est un FPS connais, qui est pas, pas vraiment un FPS. C'est complètement un FPS, j'ai envie de dire. Oui, c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit. C'est un FPS très connu. Donc, non, c'est pas ça, les jeux sort. Alors, un FPS qui est pas forcément un FPS. Donc, tu sais pas, on évite les. C'est un FPS, mais c'est pas vraiment orienté FPS. Ah. Je donne ma langue au poulpe. C'est un monument dans le monde des machinima. Moi, je donne ma langue au poulpe. Ah, complètement. Voilà, là, Cthulhu, il nous a eu, là. C'est le Garry's Mod. Bah, c'est-à-dire, je le connais pas, donc... Ah, Bob. Il parle de Half-Life 2. Oui, Half-Life 2, le Garry's Mod, le mod pour Half-Life 2. Le jeu qui m'a jamais intéressé. Ah, bah, étrange, c'est bizarre. Je sais, pas d'offense, c'est juste que c'est un jeu que je n'ai pas découvert en son temps lorsqu'il était sorti, faute de PC efficace. Je suis resté sur ma PS1 peinard. Et donc, quand on m'a dit, oh, tu devrais le tester, c'est formidable, moi, finalement, je suis tombé sur un jeu qui était un précurseur de FPS et qui, de mon point de vue, était complètement moisi, en fait. C'est pour ça. Garry's Mod, en bref, donc qui est un mod pour Half-Life 2, donc qui reprend le moteur physique et 3D du studio Valve, et qui permet, en fait, d'agencer tous les modèles des jeux Portal, Half-Life, Team Fortress, tant d'autres, et de faire, donc, toutes des mises en scène, des plans de caméra. C'est très utilisé dans le domaine des machinima, il y en a énormément, et il y a notamment une machinima qui est peut-être pas célèbre, mais qui a eu un super succès, c'est War of the Servers, la guerre des serveurs, qui est une parodie de la guerre des mondes et qui a été entièrement tournée en jeu vidéo. Ça dure 1h30 quand même, c'est vraiment un long métrage, c'était pas des amateurs. Hein. Oui, donc pas c'est franchement, c'était super bien tourné, c'est très réussi, c'est drôle en plus. Donc ça a été fait par Litfuse Films, donc un petit studio qui a réalisé aussi pas mal d'autres machinima, toujours des courts-métrages, et ils ont été embauchés pour tourner, enfin pour bosser sur Mass Effect 2 quand même. Donc, oh donc ils ont quand même, c'est voilà, c'est pas rien du tout. Et ensuite, après, un autre genre qu'on ne cite pas souvent, c'est les jeux de course. Jeux de course qui souvent ont une fonction de replay, donc qui sert, donc on s'amuse aussi à mettre en place des figures, notamment Trackmania, donc les figures de voitures, etc. Donc c'est aussi utilisé dans les machinima, mais à moindre mesure. J'aimerais juste citer Minecraft, donc il y a eu un précédent. Il y a eu un précédent d'émission tournée dans Minecraft. C'est le studio, enfin les gars de Hat Films, donc qui sont des Anglais qui ont réussi à faire, donc à se faire entre guillemets embaucher par Mojang. Et j'ai fini ma chronique. Eh ben, parfait, écoute, bah bravo. Bravo, ouais, et moi, arrivé, vraiment. Applaudissements public. Applaudissements. Bravo, Elarcis. Voilà. Alors, donc, bah, écoute, merci Elarcis pour cette super chronique, et on va passer avec Bob à nouveau sur la partie interview.